Mundir Mitroglou devant le but, quoi. L'arbitre, il lui a dit non, il était pas hors jeu. Non, non, t'aurais dû le mettre, mais t'es bidon. C'est con. Oh non, non, le truc qu'il a loupé, la balle de 3-2. Salut à tous, footeuse et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre Saint-Etienne et Marseille pour ce match d'ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Ça continue. Deux buts partout. Un but de KMP, un but de Beric. Contre des buts de Flotovin qui enflamme l'Europe, hein, et Morgan Sanson qui enflamme aussi la Canebière, parce qu'il est quand même énormément de terrain. Du coup, Marseille qui était à un quart d'heure près, à 4 points de Monaco, hein, de Monaco, du coup, qui sont plus qu'à 2 points, à 52 points, deuxième, et Saint-Etienne qui reste tranquillement, hein, 12e à 30 points, donc dans le ventre mou, mine de rien, c'est pas mal, hein, Saint-Etienne qui était quand même au fond du trou, qui globalement, hein, sont dans une phase de reprise plutôt intéressante avec le recrutement qu'ils ont fait. On va revenir tout au long de la vidéo sur ce débriefing. Résultat de hier sur le sondage pour vous, quel est le favori de la Coupe de France? 41% pour le PSG, 29% pour Marseille, hein, 70% d'entre vous donc vont voir pour ce quart de finale PSG-OM qui aura lieu. Lyon, 16% et 12% pour les autres équipes, donc Chambly, que ce soit Lens, que ce soit Caen. En tout cas, voilà, merci d'avoir répondu nombreux à ce sondage. Encore un autre sondage qui va, ça c'est clair, vous plaire à la fin de la vidéo. Restez bien attentifs. Marseille, donc, on revient, qui perd le fil, qui perd un peu l'occasion de conforter cette seconde place, du coup, qui reste un peu menacée par Monaco, hein, et Lyon qui rencontre Rennes dimanche soir dans le grand match de Canal. Ils se sont fait rentrer dedans, pourtant ça avait quand même bien commencé avec ce but de Flotovin. C'était assez intéressant. Du coup, c'était Sakai qui a débordé, qui a fait un centre en retrait, et du coup Flotovin a réussi à la rechoper directement en reprise de volée. C'était assez pas mal, hein, franchement. Sakai, le latéral qui est vraiment vraiment intéressant, hein, je trouve. Et autre but de Marseille, donc c'est Bounassar qui fait vraiment une chevauchée fantastique de 30 mètres pour centrer en retrait pour l'ami Morgan Sanson. Il n'avait plus qu'à la placer. En même temps, il fallait la mettre aussi, mais Bounassar qui fait un travail monstrueux, et pour le but de Saint-Etienne, Amouma qui fait un grand pont énorme. Alors Rami, voilà, ça, il a dû prendre cher là-dessus, il a dû dire « putain, ça fait mal quand même ». Superbe mouvement de Amouma, franchement, sur ce dos au but là, qui du coup après centre directement pour Kevin Money-Paquet. Franchement, le but est assez exceptionnel, surtout le grand pont de Amouma. La Pamela était dans les tribunes, elle avait froid, son manteau il neigeait, elle fait oh, « what the fuck ?» C'était incroyable. Et le but de Beric sur un bon travail de Bamba, où il va vraiment provoquer le centre, et il fait un centre, moi je crois qu'il était parti au troisième poteau, mais là Beric Terminator, je l'appelle parce qu'il est aussi énorme, c'est un vrai buteur qui marque de la tête, qui marque du genou, qui marque des fesses, là il marque de la poitrine, pow, comme ça. Wow, c'est incroyable. Franchement, Pelé était aux fraises. Il a dit « Oh, merde, il un but de la poitrine, c'est quand même chaud ». Du coup, deux buts partout, et puis il y a eu ce fameux raté, vraiment, où le ballon retombe dans le près du gardien, à un mètre du gardien. Tout le monde croit que les Marseillais sont hors-jeu. Mitroglou croit peut-être qu'il est hors-jeu. Du coup, il fait, je ne sais pas pourquoi, une espèce de pointu malencontreux, mais dégueulasse, qui passe au-dessus du but, alors que la barre, elle est en face de lui à 1 cm, tu vois. Et là, il regarde l'arbitre en disant « Ah, il n'y avait pas hors-jeu. Ah, merde !» Il s'en voulait, le pauvre Mundir. Là, 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 là. Lui qui était confiant avec son triplé contre Bourg-en-Bresse. Bon, c'est un peu dommage. Du coup, Marseille, mine de rien, qui se sont fait rentrer dedans. C'était assez... Ça bougeait pas mal comme match, mine de rien. Saint-Etienne a dominé, hein. Marseille, pour une fois, a préféré laisser la possession. C'était 49-51. C'est quand même super serré. 2-1 à la mi-temps. Donc Marseille a provoqué un petit peu son jeu normal, c'est-à-dire qu'il a laissé un peu le ballon à Saint-Etienne. Saint-Etienne, mine de rien, qui commence quand même pas mal à être un peu plus intéressant. On voit qu'il y a quand même des joueurs de ballon, hein. Même si Mvila était pas là et Ntep était remplaçant. Ntep qui est rentré à l'heure de jeu, mine de rien, qui a fait pas mal de bien. Mais en tout cas, Marseille, qui avait mis son milieu de terrain un peu Zambo, Gustavo, et l'ami Sanson en pointe haute du triangle, donc un peu un milieu de terrain défensif, Payet à gauche, hein, je pense que c'était prévisible, Germain en pointe, et Mitroglou, donc, qui l'a remplacé, et Flotovin, donc, qui a 9 buts
Et si passe D, en 2018, aucun joueur des 5 championnats n'a fait autant des stats de ouf comme ça. C'était assez incroyable. Franchement, pour le signaler, c'est assez fou. Non mais Saint-Etienne qui franchement est rentré dedans avec ce milieu de terrain, ce 4-4-2 qu'a mis Gasset en place avec donc Bamba, Amouma, KMP, Kevin Monet-Paquet et l'ami Douce. On Douce qui n'est pas non plus un ailier, c'est plutôt un milieu de terrain du coup. Le Sanales Pajot qui était un Pajot qui est un peu physique, Sanelès qui est un bon récupérateur de ballon, mais qui aussi arrive aussi à percer les lignes. Du coup, Deuce, plutôt que d'aller gratter mangeur de craie la ligne, Deuce n'était pas un ailier, il est venu se replacer dans le centre, donc ça faisait plutôt un milieu à 3, avec donc une ligne de 3 de Monet-Paquet, Amouma et Bamba. Bamba qui a été bon, qui a fait une passe D. Il est pas mal ce joueur, il a un peu digéré sa non-prolongation, un peu le tintouin qu'il avait eu. Avant l'hiver où il était mis au placard plus ou moins, enfin c'était un peu compliqué mine de rien. Et du coup là c'est bien, il est assez dynamiteur de défense quoi, il est assez dangereux, il provoque, des fois il en fait un peu trop, il a une bonne frappe. Non franchement c'est pas mal. Et puis Debuchy sur son aile, la relation KMP Debuchy c'était franchement pas mal. Debuchy ça, je sais pas si du tout si S'il va raccrocher le wagon des bleus, en tout cas à 32 piges, mais il est assez intéressant, franchement, il fait du bien, en tout cas. Et puis cette défense Subotić Perrin, c'est vraiment intelligent. Perrin, même s'il a failli faire une faute bête sur NG, qui a fait une entrée fantomatique, hein, je pense qu'il passe maintenant après Mundir Mitroglou, mais du coup, il a failli embarquer tout le joueur, là, c'était bizarre comme tacle, il a un peu été à l'arrache, c'était assez chelou. Et du coup, Marseille. Avec un Payet, pareil, toujours en dents de scie, qui a essayé de provoquer un petit peu, qui a essayé de jouer avec son corps et son physique pour essayer de conserver le jeu au ballon, pour pouvoir après lancer des flèches avec l'ami Flotovin. C'était pas non plus pour une équipe qui a laissé un petit peu le ballon et a du moins en deuxième mi-temps, il n'y avait pas non plus des joueurs rapides pour pouvoir jouer le contre, donc c'était assez compliqué. On a vu des milieux de terrain se rentrer dedans, ensuite on a vu après Saint-Etienne reculer et attendre que les Marseillais construisent, mais c'était pas leur soir en fait, ils arrivaient pas. Du coup c'était une mi-temps chacun, même si Saint-Etienne a été intéressant en première mi-temps, a été dominé en première mi-temps, a été mené 2-1, et du coup là le 2-2 est mérité. Marseille n'a pas su mettre le but du break, même si Mitroglou aurait pu le mettre quand même, mais c'est pas un mauvais résultat non plus à Geoffroy Guichard, même si Saint-Etienne n'est pas au mieux, ils sont quand même plus intéressants, même si là il n'y avait pas non plus tous les joueurs que Saint-Etienne a recruté cet hiver. Mais Marseille, je trouve qu'ils ont fait un match, ils ont joué en coupe, ils ont fait un match, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En tout cas, moi, les points positifs que j'ai aimés, c'est l'ami Bounassar qui en peut plus, franchement, en ce moment, qui est énorme, qui fait vraiment le lien entre la blessure d'Amavi. Enfin, il va falloir le déloger maintenant, l'ami Bounassar, parce qu'il est assez énorme, il arrive à percer. Donc il est ailier de formation, on voit, parce que des fois, il arrive même à re-rentrer dans l'axe pour pouvoir proposer. C'est vraiment intéressant pour Rudy Garcia. En tout cas, je ne m'attendais pas à avoir un tel joueur de ce niveau. Là, il monte en puissance à Marseille. Marseille qui était vraiment tranquille, mais qui n'a pas trouvé le break du 3-2, mis à part ce raté exceptionnel. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, ils se sont fait piquer au vif, très logiquement, avec ce super débordement de Bamba et cette abnégation de Saint-Etienne. On voit quand même qu'il y a beaucoup plus de mental à Saint-Etienne. En tout cas, c'est pas mal. C'était un bon match d'ouverture. C'est cool, sous la neige. Et du coup, ça m'emmène à son sondage. Hein, sondage du soir. Est-ce que pour vous, Pounas, peut être la surprise de Deschamps, parce qu'on a su que Deschamps le regardait de près, l'observait, il pourrait être une bonne option en latéral droite, c'est pas non plus la folie furieuse. Donc répondez en pipier blanc, est-ce que pour vous Bounassar peut être la surprise à la Chibanda dans les 23 en bleu? Voilà les amis, on se retrouve demain pour Toulouse, Paris Saint-Germain, ça va être chaud au Stadium. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus et à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça. Allez, ciao les amis, salut, à demain. Mundir, c'est pas possible, tu peux pas louper des trucs comme ça, c'est pas possible.